Coucou, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Lol. Ok, alors on enchaîne donc. On a fait la présentation dans le. Dans la, vous pouvez le voir dans la précédente vidéo. Du challenge des 7 péchés capitaux avec les règles pour votre Sims et les règles pour la maison. Alors attention, la maison, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique. Vu que le premier péché est l'orgueil et la couleur est le violet. Voilà, donc votre maison doit être dans le violet et votre Sims doit être dans le violet aussi au niveau des tenues comme des cheveux, des yeux et du maquillage. Mais j'y reviendrai pas dessus. Pour plus d'infos, je mettrai en bas, je pense, un onglet avec... alors, je ne sais pas si ça va passer parce qu'il est long, hein, c'est sur 7 générations, donc je ne sais pas. Je vous mettrai déjà la première génération. Quand on en sera à la deuxième, je mettrai peut-être la deuxième. Enfin, je vais voir comment je vais tourner ça. Donc, je vais déjà sauvegarder parce que je pense que je ne l'ai pas fait. Vu que j'ai pas coupé mon jeu. Et on va commencer donc à jouer avec ce challenge. Voilà. Donc, première étape, vous devez être automatiquement dans le métier scientifique. Pour ceux qui n'ont pas le métier scientifique, eh bien, vous êtes autorisé, d'après le challenge, à être dans le monde des affaires. Voilà, alors je vous présente ici ma Sims, qui s'appelle Violine Violette. Hein. Ah mince, si je vous mets pas évidemment l'écran, vous n'allez rien y voir. Et vous ne me dites même pas en plus. Hein. Bon, c'est pas bien. Donc... Vous avez ici au premier plan, normalement, si tout va bien, tout va bien, ma Sims. Donc voilà, j'ai hésité entre faire un garçon parce que je joue toujours avec des filles, mais bon, je me suis dit, allez, hop, on reste avec les filles. Voilà, j'ai tellement de challenges en cours que vous allez me rendre fou. Donc je vous présente Violine Violette. Hein, voilà, c'est Violine vient de d'une idée d'une certaine personne qu'on reconnaîtra, qui s'appelle Manon. Donc voilà, et puis Violette pour on a mis Violette pour nous rappeler la couleur de la génération 1. Voilà. Donc première chose à faire, c'est lui faire prendre donc le métier obligatoire de scientifique. Et si vous n'avez pas le pack des métiers, elle devra alors être dans la carrière des affaires. Allez, on est parti. On va voir ce que cela donne. Hop, super mon point de vue caméra. Déjà, je commence bien. C'est vrai que... Hop, je n'aime pas trop jouer avec les murs, du moins en face de moi. Donc déjà, première chose à lui faire faire, c'est bien sûr trouver un emploi. Si elle veut. Elle veut pas. Pourquoi elle veut pas? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est buggée? Non. Viens ici. Si, ça y est. Le temps qu'elle... Qu'elle tilte. Alors, je lui ai mis une démarche directe par rapport au trait. Hein. Voilà. Donc, elle est immature. Alors, au niveau des traits, on va mettre scientifique, donc. Comme ça va pouvoir permettre à ceux qui n'ont pas le pack des métiers de pouvoir voir ce que c'est que le métier de scientifique et ce que c'est de suivre un Sims au travail. Voilà. Ok. Donc, faire deux découvertes. Alors, au niveau des besoins, elle est pas trop mal. Donc, c'est vrai que là, au début d'une partie, on s'ennuie un petit peu. Donc, on va lui faire prendre une douche méditative. Alors, quand vous avez... Alors, je mets sur pause. Une chose à savoir quand vous faites les métiers comme ça, surtout avec le pack des métiers, vous voyez ici au niveau de ce que je dois faire, il faut que je fasse deux découvertes pour aller travailler lundi. On est dimanche, il est 8h44 du matin. Voilà, donc il faut que je fasse deux découvertes. Alors les découvertes scientifiques, vous pouvez les avoir comme c'est marqué là, à n'importe quel moment. Pendant que la scientifique est dans un état contemplatif, par exemple lorsqu'elle jardine, lorsqu'elle lit ou lorsqu'elle mène des expériences, au boulot par exemple. Mais vous l'avez aussi sur des objets, c'est-à-dire par exemple la douche. Si vous lui faites prendre une douche méditative, vous voyez, vous avez la petite ampoule. Voilà.
Donc elle peut avoir une dé... elle peut avoir fa... faire une découverte en prenant une douche. Donc on va aller lui faire prendre une douche. Voilà. Et puis on peut aussi après essayer de la faire lire. Ce qu'elle veut. Voilà. Ok, allez, on est parti. En espérant qu'elle nous fasse les deux découvertes. Elle chante, hein, sous la douche. Et vous voyez, vous avez l'ampoule au-dessus de la tête, hein, si vous n'avez pas le pack des métiers. Voilà, vous avez l'ampoule sur la tête. Donc peut-être avec un petit peu de chance qu'on fera une des deux découvertes avant de commencer le travail demain. Voilà, elle a plus l'ampoule. Elle a fini sa douche, donc elle n'a pas fait de découverte. Pourquoi tu peux pas passer? Pourquoi tu peux pas passer puisque tu y es déjà passé? Oh mon Dieu. Elles sont caractérisées, ces Sims. Allez, bouger la porte. Hein. Voilà, ça te va mieux là. On va voir. Elle est rentrée pourtant, mais elle ne veut pas en sortir. Alors, on va la faire lire. Lire au pif ce que tu veux. La première licorne. Allez. Non, elle veut pas. Qu'est-ce que c'est ton problème hein? Dis-moi tout. Allez ici. Elle veut bien. Allez ici. Elle veut bien. Non? Elle veut pas. Alors, est-ce que c'est le bureau? C'est bien parce qu'elle est rentrée une première fois hein, quand même. Hein. Donc on va bouger le bureau. C'est la porte qui ne lui plaît pas. Hein. On va virer la porte. On va changer la porte. On va changer deux portes. Manon, Jordi. Donc elle nous a fait un caprice. Elle a décidé que voilà, elle ne voulait pas. Passer par la porte. Voilà. Elle est rentrée, mais elle n'a pas voulu faire le sens retour. Donc, on va lui mettre une porte basique et normale. Faire blanche. Est-ce qu'elle va me dire qu'elle veut pas passer là? Si elle me dit ça, je pense que je l'étrangle. Voilà. Et à ce moment-là, tu m'embêtes parce que ça m'oblige à faire ça. Voilà. Ok, on va voir si ce coup-ci maintenant elle veut sortir pour aller lire puisqu'elle a refusé de nous faire la découverte en se douchant. Donc on va voir si avec lire elle va nous faire quelque chose. Ok, bisous à vous deux, à demain. Ouais, c'était la porte qui lui plaisait pas. Voilà, on cherche pas à comprendre. Voilà. À demain les loulous! Donc on va la laisser finir son livre. Ensuite, on va la faire creuser là. Elle nous a fait une découverte en lisant. Ok. Alors, c'est dans le carnet. Et le carnet se trouve où? Dans le téléphone. Ici. Vous ouvrez votre carnet. Et là, elle a découvert qu'on pouvait faire dans son métier un conservateur d'impulsion dont aucun ingrédient n'est requis. Donc ça, on verra quand elle ira travailler. Donc Violine Violette a fait sa première découverte et a noté une idée qui pourrait permettre de créer un conservateur d'impulsion. Cliquez sur le bouton carnet en haut du menu du téléphone pour en savoir plus. C'est ce qu'on vient de faire. Donc là, elle a creusé, elle continue à lire. Contemplatif.
lorsqu'elle jardine, lorsqu'elle lit ou lorsqu'elle mène des expériences. Ok, on va laisser lire. Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Elle a trouvé ça. Mais on va pouvoir peut-être le mettre de l'autre côté, même si c'est pas violet. Bonne nuit, Amel. Merci d'être passée. Tu es la bienvenue quand tu veux. Elle est rare. Donc, on va la poser. Voilà, à côté de la télé. Allez, lâche. Mon Dieu. Et on va activer l'aura. Hop. Donc elle est toujours en train de lire son bouquin. Ensuite, au niveau des inspirations, donc réaliser 10 interactions malveillantes ou malicieuses et être peu apprécié par deux Sims. Alors, on va essayer déjà de faire ça ici. Avec le monsieur qui est là. Présentation amusante. 10 interactions malveillantes ou malicieuses. Plus de choix. Donc, on va le laisser. Hop. Je crois qu'il sera parti, hein, le temps qu'on y aille. Donc, il y a quand même pas mal de circulation ici. Donc, on va attendre qu'il y ait d'autres Sims qui arrivent. Parce que là, je pense que le monsieur, il sera parti. Voilà. On va laisser lire. Ah, on en a un ici. Présentation amusante. Elle a fait sa deuxième découverte. Donc pour le boulot demain, on n'est pas trop mal. Voilà. Ensuite, ici, on va faire présentation amusante. Voilà. Et on va les enchaîner. Donc, 10 interactions malveillantes et être peu apprécié par deux Sims. Donc, je pense qu'on peut arriver à faire ça avec eux. On est allé ranger son bouquin. Donc, elle va d'abord. Hop. Pareil avec elle. Hein. Plus on est de fou, plus on rit. Oh non! On va déjà essayer avec lui. Plus de choix. Plutôt faire malice que méchant. Bon, une fois. On va les afficher quand même. On en a deux. De choix, Mérinus, faire crac-crac, non. Qu'est-ce que c'est que cette tâche? On en est à 5. Non, reviens, reviens. Plus de choix, Mérinus. Effrayé. Les deux vont se frapper derrière. Hop. Elle est où? Bon, c'est raté. Je sais pas où est ma Sims. Elle court après. Bon, c'est pas grave. Merci Layton pour le follow, c'est gentil. Thank you so much for the follow. Alors ici, hop,
Présentation amusante. Hein. Il sera parti avant qu'elle revienne. Ça, c'est sûr et certain. Oui, ma Sims. Oh là, oh là, oh là là. Est-ce qu'on peut rentrer ici? Ouais, on va aller causer à la jardinière là. Présentation amusante. Ah, pourtant, on était bien parti. C'est dommage, en plus, j'ai envie de faire pipi. Plus de choix. Manis, on le fait sur la carrière. Donc on en a 6, 7, 8. Hello, Dream. Reste là. Il ne reste plus que deux. Ok, par contre maintenant on va faire les altérations méchantes. On va mettre un colère. Pousser. Insulter. Ça commence à être compliqué. Je crois que je vais me faire pipi dessus, mais ce sera pas grave. Ça le valide pas, apparemment. Se battre. Non, on est évidemment. Continue à effectuer des interactions sociales méchantes pour provoquer la colère des autres sens. On va continuer. Plus de choix. Ça y est, c'est bon. On va arrêter de l'embêter. Est-ce qu'on peut récolter? Non. Ok. On va chercher les grenouilles. Hop. Ici, c'est toujours pas prêt. Alors. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Oui, ici. Alors. Alors, faut qu'on colère, qu'on fasse une présentation grossière et on va attendre. On va faire avec lui aussi. On a, hop là, hop. Présentation grossière. Et non, partez pas, revenez.
Revenez, revenez, revenez. Ah. Ici, on va reprendre papy. Présentation grossière. Bon, c'est pas grave, c'est ce pipi dessus, on va éviter. Insulté. On a terminé. Donc, on va vite rentrer chez nous. Et on va aller aux toilettes. On va lui dire d'aller aux toilettes. C'est quoi ce bazar là? Hop. On a eu de la chance qu'elle se fasse pas pipi dessus. Alors, utiliser. On n'est pas gagné encore. Donc on a réussi donc notre première étape. Au niveau de la carrière, on a donc fait les deux découvertes. Et au niveau de l'aspiration, on atteint le niveau 3 de la compétence malice. Utilise un ordinateur pour commettre un acte malicieux. On verra ça après. Par contre, à la fin, donc, on va lui faire cuisiner des œufs brouillés bacon pour 8. Alors, pourquoi Twitch n'arrête pas de tourner sur mon deuxième écran? Je ne sais pas. Donc on va laisser faire à manger. Ensuite, donc atteint le niveau 3 de la compétence malice. Et on a 2 sur 3 et utilise un ordinateur. Bon, on devrait y arriver. Il n'est que 19h. Donc on devrait arriver à faire ça avant de partir travailler le lendemain. Et on a une grenouille. On va la vendre. Donc comme trait pour ce challenge, hein, il faut qu'elle soit perfectionniste, donc jeune adulte, perfectionniste, froide, immature et reine des bêtises, ce qui vous donne automatiquement le trait ignoble. Voilà. Donc on va la laisser manger. Ensuite, elle va ranger le plat. Non, j'ai pas dit prendre une portion. Tu ne manges pas toutes les 2 secondes. Ranger. Après, elle ira s'entraîner à faire un discours. Et on commence à quelle heure demain? On commence à 10h. D'accord.
Ça va, on a le temps. On a le temps, on a largement le temps. Ah, parce que tu fais pas ta vaisselle en plus. Mais qu'est-ce que c'est ça? Nettoyer. Donc on va faire en sorte que sa compétence monte hein, au niveau 3 en charisme. En malice. Ah, en malice. Qu'est-ce que je fais dans le charisme? N'importe quoi. En premier jour, il a la compétence malice. Je vais y arriver à m'y mettre dessus. Cliquez sur un sim, sélectionnez interaction sociale dans la catégorie malice. Vous lisez un livre sur la malice. Ok. Donc on a quoi? On commence à avoir sommeil. Bon, on a le temps quand même, je pense. Oui, on va bien trouver un petit Sims par là, aller embêter. Ah bête, il y en a un là. Présentation amicale, mais c'est pas ça, bon, c'est pas grave. Donc plus de choix, malice, mentir sur la carrière. Borbazo, Clenster, Nabathory, Bribe, Capuna, Dashimo, Shanid, Epijoy, Imbar, Wunba, Ah, embarrassé. Hop là, pause. Hein. Alors, il y a un truc comme ça dans le challenge. Tuk 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 tuk. Non, c'est quand si vous êtes mal à l'aise, pas embarrassé. Donc on y reviendra quand ça se passera. Bon, on va changer. Présentation amusante. Mais qu'est-ce qu'il va faire chez moi, lui, d'abord? Tranquillou, Léon. Il est rentré chez moi. Et je vais pas te courir après. J'ai sommeil après. Faut que je travaille demain. Ah ouais, d'accord. Mais ils sont tous... Malice, mentir sur le carrière. On n'a plus beaucoup, hein, vous voyez, à faire, on est déjà quand même bien monté. Plus de choix. Plus de chat, malice, éviter un peu de soirée. Voilà, on a fait notre truc. Donc on va arrêter. On rentre à la maison. Et on va voir si on a assez de temps. Qui c'est qui m'a allumé la musique éteindre? Alors, utiliser un ordinateur, cliquer sur ordinateur, sélectionner une interaction malicieuse, et ça me permet d'envoyer des chaînes de lettres, faire du piratage et bien plus encore. Alors, on va mettre sur pause. Et donc, plus de choix. Web, ben peut-être. Bloguer, parcourir des arts, regarder, nanana, non.
Je me rappelle le plus de choix. Écrire. Non. C'est cliquer sur l'ordinateur, sélectionner une interaction malicieuse. Les sims peuvent envoyer des chaînes de lettres, faire du piratage, bien plus encore. Pascal est peut-être un peu trop crevé, je ne sais pas. S'entraîner à programmer. Non, c'est pas ça. Carrière. Rédiger. Non, 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 c'est pas ça. Je me rappelle plus du tout, du tout, du tout. Ouvrir le carnet. Non. Peut-être parce qu'elle est trop crevée. Je sais pas. C'est les jeux. Ouais, écrire des blagues, hein. Parce que je suis blasée. D'accord, ok. On va revenir ici. Si tu te prends un thé, prends une tasse de. Noir total. Allez, on va faire ça. On va voir. Ça va être blasé pour combien de temps? 3 heures. Oula, bah, le temps d'aller au lit. À moins que la camomille lui fasse changer l'humeur. Non, le noir. J'ai fait un thé noir. Ça n'a pas l'air de jouer sur l'humeur, hein, madame. Hein? Prendre une boisson. Elle est toujours blasée. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais dis donc. Veux-tu t'en aller de chez moi? Alors, on va lui demander de partir. Hein. Non mais hé, c'est pas fait au village là. Hein. Et on va verrouiller la porte après derrière lui. Je parie que tout le monde rentre comme ça là, c'est quoi ça? Verrouiller la porte pour tout le monde. Sa violine. On ne rentre pas chez moi comme ça. Non, mais c'est quoi ça? Bon, elle est toujours blasée. Non, elle est concentrée. Alors peut-être que là, on va arriver, mais bon, elle est un peu canée. Écrire des blagues, voilà. Est-ce que ça va compter? Je ne sais pas. Bien plus encore. Peut-être que c'est pas écrire des blagues. Hein. De choix web parcourir des œuvres d'art discuter troller les forums voilà arrête-toi d'écrire des blagues. Je ne me rappelais pas pour cette compétence. Je suis une farceuse ingénieuse. Waouh! Donc normalement ça doit fonctionner. Hein. Utiliser un ordinateur pour commettre un acte malicieux. Donc, troller les forums. Peuvent envoyer faire du piratage et bien plus encore. Donc, là, elle troll les forums. Écrire des blagues. Par contre, elle est un peu crevée.
Web, recherche. Faire des recherches, non. Yes. On refera écrire des blagues en suivant. Si ça compte, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça compte. Donc hop, on va recommencer. Je ne sais plus où j'avais cliqué. Plus de choix, web. Parcourir. On va mettre sur pause. Que je retrouve. Où j'avais cliqué. Non, c'était pas ça. C'était dans web, il me semble. Surfer sur le web. Non plus. Où c'est que j'avais trouvé ça? Plus de choix. Discuter. S'entraîner à programmer. Écrire. Non. Écrire des blagues. On va voir si ça marche, écrire des blagues. Je ne sais pas. Je vais chercher en attendant quand j'avais trop lu le forum. Il me semble que c'était... Non. C'était dans web. Hein. Troller les forums. Et quelle heure est-il? 2 heures. Elle peut-être avoir commencé à la faire dormir, mais j'aimerais bien qu'elle finisse cette activité. Il n'en manquerait plus. On en est à 1 sur 3. On aurait tout validé. Donc, ça serait sympathique. Qu'elle s'endorme pas avant et qu'on puisse être en forme pour être à demain. Bon, c'est 10 heures, donc ça lui laisse le temps de dormir quand même. Allez, fais un effort. Troll, les forums. Hein. Ah, t'as les batteries à plat, je sais. Bon, elle va dormir. Qu'est-ce que tu me fais? On réclame ton lit aussi. Et tu retrolleras. Je pense que tu auras envie de faire pipi. On va laisser le temps normal. On va la laisser faire pipi après. Manger un bout. Qu'elle soit en forme pour aller travailler. Prendre des restes. Et si on a le temps, elle continuera à troller. On va prendre une douche. Et... Non, c'était pas écrire. Décidément, hein. C'était web. Non, plus. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus encore. J'ai la mémoire d'un poisson rouge ce soir. Discuter. Troller le forum. Voilà. Pour l'instant, elle récupère doucement parce qu'elle est fatiguée.
qu'elle soit en forme au boulot quand même, hein. Donc, un très jolie maison, mais bon, le premier péché étant l'orgueil et la couleur étant le violet. Voilà. Vous devez avoir la maison majoritairement violette à l'intérieur. Voilà. Très jolie, je l'avoue. Moi aussi, ça me tape à l'œil. Ensuite, au niveau de votre sim, c'est pareil. Hein. Cheveux, yeux, maquillage, vêtements dans le violet. Et pour la deuxième génération, ce sera une autre couleur avec un autre péché, d'autres traits, d'autres aspirations. Enfin voilà, on va voir au fur et à mesure qu'on le fera. Mais si vous voulez, en attendant, vous pouvez regarder la vidéo où j'explique où je présente le challenge et où on fait la maison. Voilà. Et comme ça, vous comprendrez un petit peu mieux en attendant que je vous mette les règles en bas. Donc je pense qu'on fera l'épisode en finissant cette aspiration. Et on fera une journée de boulot. Voilà. Et après, je basculerai sûrement. Je ne sais pas encore sur quoi. Mais je basculerai sur. Je sais pas, peut-être ma famille alien. Ou enfin le challenge du bébé elfique. Ou le challenge Amazon. Je ne sais pas, je verrai. J'en ai tellement en cours. Je ne sais pas trop. Voilà, amie de la forêt, j'attends qu'elle avance un petit peu, chat, puisque j'ai déjà fait ce qu'elle a fait involontairement. On a eu les mêmes idées. Donc j'ai déjà envoyé à Grenotte Folle. J'ai déjà fini la maison. Donc bon, je regarderai ce soir si elle a sorti notre vidéo. Et puis sinon, on attendra. Pour le challenge Sims à travers le temps, pour l'instant aucune avancée de la part de la créatrice, donc 5 épisodes et puis plus rien, donc on verra, sinon on le supprimera. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le bébé elfique. Il y a eu la présentation du challenge aussi de Tournesol Sims, il y a le bébé elfique, mais il y a le Meteor Challenge. On pourra faire le premier épisode du Meteor Challenge, pourquoi pas en suivant. On fera ça. Comme ça, vous aurez une idée un petit peu de tous les challenges. Il y a au moins un épisode de chaque. Donc voilà. Enfin, il y en a beaucoup plus pour le bébé elfique, pour le challenge Amazon Gladiator. Donc voilà, vous aurez une petite idée. S'ils sont plus sur Twitch, vous les avez sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc là, elle fait vraiment dodo, dodo, dodo. On va tirer. Qu'elle aille faire pipi au dernier moment. Elle est 9h moins le quart, ça m'étonnerait qu'elle ait le temps de tout faire. Mais bon. Voilà, t'as assez dormi. Hein. Allez, hop, debout. Alors c'est vrai, quand on est habitué à jouer avec 8 Sims, quand on ne s'arrête jamais, quand on n'en a qu'un seul, ça fait bizarre d'attendre. Elle ne veut pas passer. Pourquoi? Mais tu travailles dans une heure. Peut-être auras-tu le temps, mais je ne pense pas. Je pense que tu peux te doucher au boulot si ma mémoire est bonne. Ce qui peut te faire avoir d'autres idées. Alors ici, améliorer la compétence malice, je crois qu'on l'a à faire. Non, on l'a fait déjà. Et être malicieuse, ouais. Excusez-moi. Je vais fermer ma fenêtre le temps qu'elle mange. Elle n'aura pas le temps de troller. On verra ça quand elle rentrera du travail. Même pas le temps de finir de manger.
Donc on va aller avec elle au travail. Donc ça va permettre à ceux qui n'ont pas le pack travail au niveau de mes followers, je sais qu'il y en a qui ne l'ont pas. Donc ça va vous permettre de voir comme ça les carrières qu'on peut suivre avec le pack des métiers. Puisque d'un challenge, je vous demande d'être scientifique pour la première génération. Et si vous ne l'avez pas, il faut que vous mettiez dans les affaires. Voilà. Donc, notre petit prisme que nous aimons tous qui tourne, qui tourne, qui tourne. On va attendre. Et on va commencer notre métier. Voilà. Alors, bienvenue pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais donc vous lire ce qu'on nous demande. Et vous voyez ici sur la gauche, vous avez votre journée de travail. Donc, vous finissez normalement à 19h. Mais en cliquant ici sur ce petit bouton, vous allez prolonger votre journée de travail. Donc, finir plus tard que les autres. Ce qui vous permettra de monter votre métier plus vite, bien sûr, puisque vous travaillez plus tard que les autres. Donc, vous allez avoir ici, vous voyez, par exemple, en premier, je dois arroser une plante, je dois faire une analyse, inventer un converteur bloc d'impulsion. Et au fur et à mesure de ma journée, on va me demander ici plein, plein, plein de choses à faire qu'il faudra que je fasse avant de terminer ma journée. Plus je réussis, évidemment, de faire les choses, plus j'ai des chances de monter vite en grade, etc., etc. Donc, bienvenue au laboratoire Future Sims. Vous serez occupé à réaliser des expériences fondamentales, à rechercher des nouvelles technologies et peut-être même à interagir avec des espèces extraterrestres. Votre travail consiste à optimiser les performances du matériel scientifique de très haut niveau pour le bien de tous, nous espérons. Tout cela pour dire bienvenue. Allez, on est parti! Donc, on a une jolie tenue. On peut mettre sur pause. Alors, on doit arroser une plante. Alors, vu que moi, je suis habituée à ce métier-là, parce que c'est un de mes chouchous, on va aller arroser ici. Donc, quand vous ne connaissez pas, baissez les murs. Hein. Je vous le conseille, parce que ça fait quand même tout ça. Hein. Voilà, toute la plateforme est là. Vous allez devoir avoir aller ici. Là, vous allez devoir construire la fusée. Ensuite, à l'étage, vous avez l'observatoire. Enfin, il y a tout un tas de choses. Donc, baissez vos toits. Après, la petite astuce, c'est quand vous allez avoir contemplé une œuvre d'art. L'œuvre d'art, pour eux, c'est ceci. Ou ceci. Ou voilà, ces objets-là. Si vous cliquez dessus, on peut lire contempler. Donc, c'est ça, contempler une œuvre d'art. Parce que moi, je m'étais mis au tout début, quand je ne savais pas, je m'étais mis un tableau au mur. Voilà, parce que moi, je me fais mon petit coin ici. Des fois, je me mets même un petit lit, une personne. Donc, bon, bref. On est parti. Donc, je dois arroser. Je dois faire une analyse. Alors, on va faire une analyse. Et inventer un appareil. Le converteur d'impulsion. Voilà. Donc là, j'ai lancé les trois. Alors après, ce que vous aurez la possibilité de faire, je vais remettre sous pause, ce que vous aurez la possibilité de faire, vous verrez petit à petit, comme on a vu au début, il y a en tout, je ne sais plus combien de découvertes à faire. Donc au niveau du téléphone ici, dans le carnet ici, vous allez avoir toute une listing, alors que ce soit en invention ou que ce soit en potion. Donc la nourriture synthétique par exemple, il faut deux plantes. Donc il faut récolter deux plantes pour pouvoir faire sur le laboratoire chimique ici cette nourriture synthétique. Vous risquez l'avoir ici. Donc regardez votre carnet si vous avez un jardin petit à petit et plantez ici des plantes qui sont nécessaires à faire les différents sérums que vous aurez à faire. Plutôt que des plantes qui servent à rien, comme il y a là des fois. Récoltez au début les plantes qu'il vous faut, comme ça vous évite de les chercher.
Et sinon, dans ma galerie, vous pouvez trouver un parc avec toutes les plantes qui existent dans le jeu des Sims 4. Et vous le posez tout simplement. Et vous aurez toutes les plantes qui existent. Même les plantes extraterrestres et même les plantes pour l'herboristerie. Vous le trouverez sur dans ma galerie, je vais y arriver. Mon idée, vous le trouvez sur ma chaîne Twitch et je vais le mettre bientôt sur ma chaîne YouTube puisque je bascule après les vidéos sur YouTube. Donc, si vous voulez voir un petit peu tous les challenges que je fais ou les builds ou peu importe tout ce que je fais dans les Sims 4 ou les autres jeux auxquels je joue, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube. Juste en bas, vous avez le lien YouTube, vous tomberez sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez, un petit pouce en bas si vous n'aimez pas. Laissez un commentaire, voilà, donc vous voyez. Donc là, donc, au niveau du sérum, la nourriture synthétique, il nous faut deux plantes. Donc, on verra après s'il y a deux plantes ici. On ne sait jamais par sécurité. De toute façon, on récoltera tout pour nous faire notre petit jardin à nous. Donc, on va faire tout récolter. Comme ça, on ne sera pas embêté. Ça sera déjà fait. Donc, comme vous le voyez, en haut, maintenant, on me demande de demander un cristal à un collègue. Donc, vous cliquez sur un de vos collègues. Vous faites plus de choix, je pense. Il faut d'abord vous présenter. Présentation amicale. Quand ce sera fait, une présentation amusante, comme vous voulez. Je fais amicale. Et vous pourrez leur demander des cristaux, etc., pour pouvoir faire votre travail. Ensuite, tout autour, là, il y a des rochers. Si j'agrandis. Tout autour, là, il y a des rochers à creuser, etc. Mais bon, vous perdez du temps au niveau de votre travail. Donc déjà, moi, je vais en restant cliquer sur le bouton reste étard. Voilà. Donc, je débauche plus à 19 h. Voilà. Je débauche, vous voyez, à 21 h, ça me laisse 2 h de plus pour faire des trucs. Je vais en profiter pour me présenter aussi à lui. Donc, de rassembler après, j'attends de me présenter et après, hop, on arrête l'analyse puisqu'on l'a validé. Non, merci, je ne veux pas d'écouteurs. Donc, on va aller se présenter. Évidemment, il s'en va super loin. Tu te présentes pas, quel problème? Donc, est-ce que c'est présenté? Non. Donc là maintenant on devrait pouvoir lui demander. Non, même pas. Ok. Je suis blasée. Plus de choix. Amical. Vous voyez, demander un métal, demander un cristal. Donc vous demandez un cristal. Si elle veut. Le choix amical. Demander un cristal. Merci. Et on va en profiter pour lui demander un métal en même temps. Hein. On va pas s'embêter. Je fais quoi? Demander un cristal. Donc on va lui demander un métal. Voilà. Comme ça on aura les deux. On est blasé. Ah. Alors ici nous avons Nono le robot. Voilà. Alors vous faites attention hein, parce que quand vous n'êtes pas encore super pote avec lui, vous pouvez mourir. Là, je suis en train de construire le converteur de machin. Ensuite, on rassemblera des idées.
vous prenez. Vous prenez et vous mettez dans votre inventaire. Voilà. Alors, demandez à Crystal allumer un. Alors, vous le reprenez dans votre inventaire. Voilà. Vous le posez là, par exemple, hein, peu importe, et vous l'allumez. Quand c'est fait, vous le reprenez, vous le mettez dans votre inventaire, c'est validé. Ok. Alors, demandez un cristal. On n'a pas fait encore. Recueillir, rassembler des idées. Contempler, on n'a pas fait. Alors, rassembler des idées. Il faut qu'on contemple notre convertisseur. Donc, ok, on va le sortir. Contempler. Voilà. N'hésitez pas à mettre sur pause hein, pour bien faire tout ce que vous avez à faire là. Hein. Qu'est-ce qu'elle papote Allez. On va lui demander un cristal puisqu'apparemment elle n'en a pas eu. Bah, il a l'air aussi motivé que moi. Hein. On est blasés les deux là. Plus de choix. Amical. Demander un cristal. Voilà. Alors, on fera attention. Hein. Eux, ils débauchent à 19h. Hein. Donc, si vous devez demander un cristal, demandez-le maintenant. Parce que sinon, c'est foutu. Eux, ils s'en vont. Hein. Ils rentrent chez eux. Vous vous êtes décidé de rester plus tard. Hein. C'est comme vous réel. Voilà. Donc là, on avance. Que là, je vous ai pas zoomé dessus, elle est juste allée récolter, voilà, des choses. Alors ne vendez pas les plantes et tout ça, plantez dans votre jardin et pensez à partir au boulot avec les plantes dont vous aurez besoin. Voilà. Alors, j'espère que ça ne fera pas comme la toute première fois où j'ai grillé, mais bon, un collègue est venu avec un éteindre le feu. Voilà, donc il m'a sauvé. C'est avec ce métier-là que vous pourrez, par exemple, aller sur la planète Xixam, qui est la planète des extraterrestres, puisque vous allez pouvoir faire la porte à trous de verre, l'améliorer, etc. Et vous pourrez, grâce à cette porte, aller sur la planète Xixam. Vous pourrez aussi avoir le pistolet qui vous permet de changer les autres Sims, par exemple, pour leur faire des blagues, etc., les mettre en tenue. Donc, quand vous avez fini ça, vous arrêtez. Ensuite, vous allez analyser un métal ici, puisque c'est ce qu'on vous a demandé. Faire une analyse. Analyser une collection. On a un métal ici. On va l'analyser. Oui, donc vous pouvez faire aussi le pistolet qui va pour les faire changer de tenue. Ça va être des choses qui vont vous être. Ouais. Préparer un sérum synthétique. Le rayon glacial, etc. etc. Donc, synthétiser un sérum. Est-ce que j'ai assez de plantes? Oui. Donc, on va faire ça. Jusqu'à maintenant, on s'en sort pas trop mal. On va lui demander à elle un cristal aussi. On s'en fiche pour le moment. On va laisser voir. Faire la connaissance d'un collègue. Hein. Donc, on va lui faire connaissance. Plus de choix. Amical. Si vous regardez bien, c'est classé par ordre alphabétique. Hein. Donc, discuter, faire connaissance. Voilà. Comme ça, vous ne perdez pas trop de temps à chercher. Alors, s'il s'en va, on est pas mal là. Donc, reviens ici. Ah, vous n'hésitez pas, vous mettez sur pause, ça s'est pas mis. Hein. Donc on est dans les D. Pardon. Donc D. Plus de choix. Discuter. Faire connaissance. Voilà. Hop, c'est fait. Vous voyez, c'est un boulot. Par contre, vous allez rentrer tous les soirs crevés. Hein, vu que vous faites des heures sup. Après, vous n'êtes pas obligé de prolonger votre journée de travail, mais les promotions arrivent plus vite. Voilà.
Faut pas qu'on voyait, elle a contemplé son truc, hein. Rangez-le. Voilà. Après, vous pourrez vous permettre, par exemple, quand vous aurez plusieurs rayons laser, de les poser là, parce qu'à chaque fois, sinon vous allez devoir chercher dans l'inventaire, etc. Donc, pour améliorer vos pistolets, vous les laissez là. Moi, je me mettais un petit lit là pour dormir quand j'étais vraiment crevée. Pareil, on peut dormir sur un des bancs à l'étage. Vous avez une douche, en bas, vous avez les toilettes, les douches. Enfin bon, vous avez tout sur place. Donc, analyser un métal. Que ça a marché. Voilà. Donc ensuite, analyser un cristal. Donc, je ne sais pas où est mon collègue avec qui je dois. Hop, hein. Je vais le chercher. On va lui demander un cristal. Ça m'évitera peut-être de. Ça m'évitera de perdre du temps. On va présenter à tout le monde. Donc, plus de choix. Amical. On va lui demander, ah, on lui a déjà demandé peut-être. Ouais, donc on va devoir le faire avec quelqu'un d'autre. Demander un cristal, à moins qu'on en ait un. On en a un. Donc on va analyser un cristal. Analyser une collection. Voilà. Donc j'avais dit faire la connaissance d'un collègue, mais il est où? Qui est monté à l'étage. Voilà, il est là. Donc on va faire sa connaissance. Je crois, à moins qu'on l'ait fait là. On l'a déjà marqué. Bon, évidemment, les festivals, hein, vous les oubliez, ça tombe tout, vous irez quand vous ne travaillez pas. Voilà. Voilà. Après, analyser un fruit ou une fleur. Donc on va voir, analyser la flore. Un fruit ou une fleur. Bon, on va faire une fruit. Voilà. On est parti, je crois. Où? Je ne sais pas. Ah, elle repart dans l'autre sens. Il faut dire qu'il a bougé, il est plus là. Il est là-bas. Donc. Est-ce qu'elle a tout récolté ici? Ouais, ça a l'air. Elle a tout récolté. Alors une chose aussi, si vous avez la plante vache et que vous n'avez pas envie de vous, qu'un de vos Sims de votre famille meurt, il y a une petite astuce quand on suit notre Sims au travail. Moi, c'est ce que je faisais, je me la mettais ici. Ce qui fait que si un de mes collègues mangeait le gâteau, se faisait manger et mourait. Ben moi j'avais plus qu'à récolter après ben, le lait ou l'essence qu'elle donnait. Voilà. Donc ça c'est une petite astuce quand on les suit au boulot. Pour ceux qui ont le pack bien sûr des métiers. Alors on me demande faire la connaissance d'un collègue, je ne l'ai pas fait. Alors il est peut-être parti. Donc on va aller faire présentation. Ben non, il est là. Non, c'est pas le même. C'est pourtant. Alors, ben, on va aller voir elle. Hop, la réceptionniste, elle reste en général tard. Un peu comme vous. Voilà, vous voyez, ça s'enchaîne. Hein, donc, si vous voyez que. Ah, ça va trop vite. Pause. Faites pause. Faire une expérience avec le laboratoire de chimie, donc je pense que c'est l'autre côté. On va faire une expérience. Pas tarder à déboucher, hein, de toute façon, il est 21. Ah non, 18h. Je sais que dans l'inventaire, elle a quelque chose à manger. Ici. Manger œuf brouillé bacon, on va faire manger. Voilà. Donc. Voilà, bah, il nous reste plus beaucoup de choses à faire. Et on a fini notre journée.
Alors, on a une nouvelle recette, on ira voir après, hein. Elle, par contre, ouais, on va faire connaissance, c'est ça qui nous manquait, hein. D, E, Joshua, Amicali. Décédé. Elle veut pas manger. Allez, tu vas faire connaissance, s'il te plaît. Plus de choix. Ah, t'es mal à l'aise au niveau batterie, je n'en doute pas. Voilà. Donc on a plus de deux choses à faire avant 21 h. Faire connaissance, donc ce qu'on a fait là avec la standardiste, hein, pensez-y, c'est les derniers, ils sont là jusqu'à que vous, comme vous, jusqu'à la fin. Et faire ce qu'on est en train de faire avant de partir, avant 21 h. Bon, on aura largement fait. À moins qu'on rajoute encore quelque chose là. Non, voilà. Il ne nous reste plus qu'à faire connaissance, donc on arrête ici. On s'en fout. Voilà. Vous voyez, ils partent tous, hein. Donc après, c'est pas la peine d'aller demander des cristaux ou autre, c'est fini. Alors, vous faites faire connaissance et terminé. Vous attendez. Discuter avec l'ouron blanc. Alors, plus de choix. Amical. Discuter des centres d'intérêt. Voilà, par contre, vous voyez, moi, j'en ai un dans l'inventaire, heureusement, parce qu'elle ne peut pas en donner. Il est 20 h 50, j'aurai pas le temps, ça m'étonnerait. Donc, non, vous voyez, j'ai pas le temps de le faire. Voilà. Vous attendez que ça se termine, et puis voilà. Voilà, donc, fait un travail fantastique. Donc dorénavant, je suis apprentie inventrice. Je gagnerai 8 simflouzes de plus par heure, soit 32 simflouzes de l'heure au total. J'ai également reçu un bonus, 192 simflouzes, des nouveaux vêtements, vous les verrez tout à l'heure, le prochain coup quand je partirai travailler. Et voyage dans les étoiles, ma prochaine journée de travail commence mardi à 10 h. Donc ça, je vais trouver voyage dans les étoiles, je pense que c'est dans l'inventaire du foyer. Donc on va retourner à la maison. Et après, on ira donc regarder déjà ce qu'on a dans notre truc. Planter nos petites plantes dans le jardin. Garder les autres. Parce que là, c'est vraiment un métier. Par contre, vous allez avoir un énorme bazar dans notre inventaire. Faut vraiment tout garder. Et que dire de plus? Donc les cristaux, les métaux, vous les gardez. Ça évitera que vous les demandiez à vos collègues et vous avancerez plus vite dans le métier. Bah, c'est un des boulots avec médecin qu'on rentre le plus crevé chez soi, quoi. Voilà. Donc quand on a des pleins de bambins, ne faites pas ce métier-là. Donc, on va regarder dans notre inventaire. Normalement, on devrait. Voilà, c'est une affiche. Tout bêtement. Donc je ne sais pas trop où je vais la mettre parce que c'est vrai qu'on gagne énormément de choses avec ce métier scientifique, hein. Vous pourrez même avoir tout ce qui est scientifique dans la maison. Voilà. Le robot, machin. Bon, ben ça, quand vous aurez une plus grande maison, bien sûr. On n'en est pas là. Et ça sera sûrement pour la prochaine génération. Donc, on va garder tout ça. On va aller la faire dormir, je pense, en premier. Ouais, prendre une douche. Et
Voilà. Elle va aller aux toilettes. Utiliser et dormir. Ah, les toilettes, ça les a pas pris. Hop. Utiliser. Et on va la faire dormir. Alors, au niveau des petites plantes, ben, vous les gardez, celles que vous avez en double, hein, vous les gardez dans votre inventaire. Donc, on va planter tout ce qui est fleurs ensemble. Hein. On les vend pas. Muffy, on va en planter deux. Bien qu'on gagne bien notre vie après avec ce métier-là. Bon, mais on va quand même en mettre deux. On a quoi d'autre? On a des fraises. On va mettre deux de chèque, hein, voilà. Et puis on gardera le reste pour le boulot. Donc on va rajouter ici. Une marguerite. Alors moi c'est marrant parce que ces marguerites me font plus planter au chrysanthème que le chrysanthème qu'on voit. Donc jacinthe, pareil, on va en planter deux. Un. Et deux. Pendant l'instant, elle fait ce qu'elle a à faire. Et on va planter des rosiers. Donc là, après le reste, on le garde pour le boulot. Les métaux, les cristaux, etc. Voilà. Donc on va la faire dormir. Quand elle aura dormi, elle viendra planter. Bon, par contre, elle a faim. Des restes. Attention à l'heure aussi. Donc, on embauche à 10h. Hein. On prend des restes. On va faire regarder la télé. En même temps. Et elle va planter. Puis elle ira faire pipi, comme ça on est sûr que voilà. On doit faire 4 découvertes. On peut les faire au boulot, on peut les faire chez soi, c'est pas un problème. Hein. Et on est de repos quand? Le samedi et le dimanche. Voilà. Donc à la limite, on peut finir notre aspiration ici. Troisième si on n'a pas le temps. À ce rythme là on va lever le jardin. De tout ça. Pardon. Yups.
Elle peut aller faire pipi au travail aussi, hein, donc on va enlever pipi. Excusez-moi. Il y a des toilettes et des douches là-bas, donc. Il va falloir qu'elle soit pas trop mal pour partir au boulot. Ah, on doit partir au travail. 10h pile, ils sont à l'heure. Alors, on la rejoint, puisque ça fait partie d'un des métiers qu'on peut suivre. Hein. Alors pareil, hein, vous quand vous allez arriver, vous mettez sur pause, vous lancez toutes vos actions pour pas pour être sûr de pas rater quelque chose. Hein. Bon, toujours pareil, nanana, bienvenue. Parce que des fois, vous aurez d'autres choses ici. Je ne vous dis pas quoi. Ok. Donc on va mettre pause. On va la faire aller aux toilettes. Hein. Donc c'est ici. On va lui faire prendre une douche. Je crois qu'on a. Il faut qu'on trouve deux autres découvertes. Alors on prend toujours hein, ça là, avec la petite les ampoules. Voilà, hop. Déjà le temps qu'elle fait ça, on peut commencer après. Hop. Elle. On la connaît, donc lui, je ne sais pas, on va voir. Plus de choix, amical. Plus de choix. Félicité, faire connaissance. Voilà. Analyser un fruit ou une fleur. Ensuite, préparer un sérum nourriture synthétique. Hop, synthétiser un sérum nourriture synthétique. Petit bug là. Voilà, me voilà qui est un jouleur lui. Une chose très importante, si vous devez avoir un petit ami hein, pour faire votre deuxième génération, il doit être moche. Alors, raconter des ragots. Voilà, on met pause. Hop. Raconter des ragots sur les collègues. Alors, plus de choix. Amical. Hein. Complimenter, demander un cristal. Plus de choix, débattre, discuter du travail. Donc c'est dans ce sens, éliminer, raconter des ragots et raconter des ragots à propos des collègues. Voilà. Faites bien attention au nom, hein. Eric Chevalier. C'est bien lui. Hein. Ah, Babs McCoy. C'est fait, donc elle se toucher vite fait. Donc après, je dois discuter avec le robot pendant 10 minutes.
Pareil, je repousse ma journée. Reste état. Donc je vous disais, si vous devez trouver un petit ami, il ne doit pas être beau puisque vous êtes dans le péché de l'orgueil. Il ne faut absolument pas que quelqu'un soit mieux que vous. Qu'on soit bien d'accord. Donc l'orgueil, ben voilà, il faut que votre petit ami il soit moche. Donc à l'occasion, quand vous en croisez un, draguez-le, parce qu'il faut quand même que vous fassiez votre deuxième génération. Bien avant que et que vous ayez complété tout ce qui est demandé pour la première génération, pour l'orgueil. Donc vous avez le temps de faire un enfant, ne le faites pas tout de suite. Voilà. Sinon, si les jeunes adultes, ils doivent quitter la maison. Et si vous n'avez pas fait tout ce qu'on vous demande avec la première génération, eh bien, hélas, votre premier enfant va devoir reprendre l'orgueil et rester dans le scientifique, alors que normalement, vous changez de péché, vous changez de couleur et vous changez de boulot. Donc voilà, faites attention à tout ça, vous avez le temps de faire un enfant. Vous n'êtes que jeune adulte. Hein. Donc avancez tout ce qui est demandé. Je vais jeter un œil. Donc. Alors, pardon. Pour valider donc votre première génération, il faudra avoir complété l'aspiration roi des bêtises et acheté récompense d'aspiration. C'est-à-dire insouciant et sans gêne. Ce sont les petits. Ici, là. Quand vous cliquez sur. Ici. Vous avez les cadeaux. Et là, vous aurez les récompenses. Donc ici, vous devez acheter avant la fin de votre vie les traits de caractère, des les récompenses d'aspiration pour compléter l'aspiration des rois des bêtises. Il faut acheter les récompenses d'aspiration insouciant et sans gêne. Je ne sais pas si je les ai déjà. J'ai pas beaucoup de points. On vient de commencer. Alors normalement. On devrait déjà, on les a tous, mais est-ce qu'on peut les acheter? Alors, insouciant et sans gêne. Normalement, c'est bien ici. Hein. Indépendant, sans gêne, voilà. Vous devrez avoir acheté celui-là avant la fin. Donc 2000. Sans gêne et insouciant. Fertile, insouciante. Donc 3000. 3000, 2000. Il faut que j'ai ici. 5000 points pour ach pouvoir acheter ces deux points, ce récompense, blablabla. Pour ça, comment on fait, pour certains qui ne le savent pas, c'est ici, là, les petites bulles. C'est ce qui vous permet d'avoir les points pour acheter. Voilà. Donc, n'oubliez pas non plus. Voilà. Mais on a le temps. Donc là, apparemment, elle a fini. Donc, on va pas s'arrêter à faire ça. Donc, ok. Analyser un fruit. Ouf. Hop là. Si je trouve, vous avez plus rien à y voir. Alors, analyser un fruit ou une fleur. Analyser la fleur. Partie pour une jacinthe, on s'en fiche. Demander un cristal à un collègue. Présentation ambiante. Allez, réceptionniste, elle va pas avoir. Je vois pas ce qu'une réceptionniste fait là. Normalement, elle n'est pas là, la réceptionniste. Hein. Donc, on va lui demander à lui. Donc, on va arrêter de perdre notre temps avec elle. Hein. Thank you.
faire une présentation amicale après. Donc là, on est en train d'analyser un fruit ou une fleur. Voilà, on en est là. Ensuite, on va demander un cristal à un collègue. Hein. Après, on va encore inventer un conservateur d'impulsion, mais là, vous pourrez le vendre. Hein. Voilà, on va aller demander cristal au collègue. Même si vous en avez dans votre inventaire, si c'est marqué demander un cristal à un collègue, ben, il va falloir lui demander. Voilà. Plus de choix. Demandez un cristal. On va lui demander un métal, tant qu'on y est. Plus de choix, puisqu'on nous le demande. Demandez un métal. Voilà. Ensuite, on va rassembler des idées. Et inventer un appareil. Le conservateur d'impulsion. On va aller après arroser les plantes, bien qu'elles n'ont pas l'air de trop en avoir besoin. Ça veut pas. Évidemment, je les ai arrosées il n'y a pas très longtemps. Ouais. Donc, il y aura peut-être des fois comme ça, des choses que vous ne pourrez pas faire. Hein. Mais c'est pas bien grave. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Quand vous avez pareil sur une machine, rassembler des idées, dès que c'est fait, que vous voyez que c'est validé, ici ça va pas s'arrêter, hein, c'est vous qui le faites. Donc vous cliquez quand hop, ça disparaît, vous l'avez validé, donc hop, vous l'arrêtez. Voilà, hop. Donc après analyser un cristal, on va dégager. Hop. Donc je dois inventer arroser une plante pour l'instant. Je ne peux pas. Elles sont toutes arrosées. Peut-être celle-là. Oui, arroser. Voilà. Donc là, on a quand même tout d'avance de programmer. Donc au début, vous allez construire toujours les mêmes choses. Gardez-en une et revendez les autres pour vous faire de l'argent. Hein. Alors comme je vous ai dit, c'est le violet, mais vous voyez par moment les cheveux ressortent rose. Et le rose est bien rose, hein. C'est un rose pétard, hein. Donc vous inquiétez pas, c'est bien le violet ça. Hein. Voilà. Vous voyez, j'ai ma nouvelle tenue. La petite blouse avec les petites bottes et le petit pantalon. Et plus je vais monter, plus j'aurai des tenues différentes. Et la dernière, je ne vous la divulgue pas, mais elle est extraordinaire. Voilà, moi j'aime bien. C'est vraiment le métier que je préfère. De tous les métiers, que ce soit ceux conçus ou pas, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vraiment ceux que je préfère. On attend de voir si on ne doit pas le contempler. Encore une fois, plutôt que le ranger. Si, on doit le contempler. On va le sortir, on va le mettre là. Contempler. Là, on est en train de faire notre analyse de cristal. Hein. Après, on va aller arroser. Après, on va contempler. Au niveau des besoins, ça va. On tient le choc. On a des cristaux, des métaux. On est bien. Thank you.
Donc faire une analyse, donc ça c'est pas très compliqué, vous cliquez là-dessus, hop, faire une analyse, c'est pareil, hein, ça va, vous l'arrêtez quand vous avez, quand c'est validé. Donc on a découvert tout à l'heure quelque chose, on n'est pas allé voir, ça nous a mis le message. Alors, on a découvert la nourriture synthétique, hein, que ça nécessitait deux plantes. Et au niveau des sérums, nourriture synthétique, apparemment, non. Alors, on va regarder ici ce qu'on nous a dit tout à l'heure. Donc ça, on s'en fiche, on peut l'enlever. Ok. Fleur améliorée. Oh, c'était peut-être... Une nouvelle recette de greffe a été dans notre carnet, nouvelle plante. Alors, hop. Regardez. Voilà. Alors, on a découvert fruits de bourgeon de bonsaï, 8 fraises sur une, margarine 7 sur 1, fruits du dragon, fraises 8 sur une, 7 sur 1, raisin 8 sur 1, 6 sur 1. De toute façon, tout ce que vous découvrez, vous l'avez dans le carnet. Excusez-moi, je baillais. Je dois pas avoir un gros mur de notification. C'est pas ça, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Ouais, et pas. Alors, discuter avec, faire une analyse, analyser un métal. Donc, analyse de production. On va analyser celui-ci et discuter avec Lucas François. Donne le tarion. Tiens, il bosse là, lui. Alors, Lucas François, Lucas François. Je ne sais pas, oui, monsieur Lucas François. Ici, non, c'est une femme. Ben, c'est moi. Ah, j'ai fait une troisième découverte. Ça sera noté dans le carnet. Donc, on va regarder s'il est à l'étage, Lucas François. Donc, ici, vous avez la salle de sport. Alors, Lucas François, Éric Chevalier. Lucas François, discutez avec lui. Ok. Donc, plus de choix. Amical. Discuter, énigme logique. Ah. Il ressemble à quoi? S'il est pas beau, je peux me le draguer. Même si je fais pas d'enfant tout de suite avec. Physique disgracieux. Bon, il est rondouillé. Bon, on peut essayer de lui demander s'il est célibataire. Plus de choix. Amour. On va lui demander s'il est célibataire. Voilà. Tout bêtement. Après, si on trouve plus vilain, on prend plus vilain, hein. Donc, là, je suis en train de faire quoi? Faire une analyse. Analyse un métal. Donc analyser un élément. Il reste pas grand-chose. Je crois que c'est pas le même. C'est ça.
deuxième collection, c'est ça. Mais pour l'instant, comme je m'en sers, il va être parti, le vilain pas beau. Bon, j'ai le temps de draguer, vous me direz. Hop. J'en ai plus. Inventer le rayon sim. Donc ça, vous le mettez dans votre inventaire. Car il est 20h24. Oui, je peux peut-être encore. Ah, le rayon sim. Allez. Allez, allez, on va y arriver. Ça risque d'être juste, hein. Sinon on reprendra le lendemain. On va pas y arriver. Mais c'est pas grave, on le fera demain. On reprendra de suite en arrivant au boulot le rayon Sims. Pas eu le temps de finir. J'étais pas sûre, mais bon, voilà. Avec un peu de chance, des fois on arrive limite à finir ce qu'on a à faire. Mais là, non, on n'a pas fini. Donc, je refais une journée de boulot et après on basculera. Alors, on va faire stop, pause. Alors, par contre, à la fin, mais je pense qu'elle a le temps d'aller planter ce qu'elle a planté là. Planter. Après, on lui fera manger. Un bout, prendre des restes, voilà, faire regarder la télé en même temps, et puis elle ira faire pipi, elle rangera ça et ça aussi, voilà, hop. Je trouve que la démarche lui va très bien. Pour une immature électrique à dos à voir. Donc on peut regarder ce qu'elle a découvert peut-être dans le carnet. Le rayon sim. Donc il lui faut un métal commun, un cristal commun. Elle en a un. Donc c'est bon, elle pourra le fabriquer. On pourrait appeler Jasmine. Et faire valoir le bonus là qu'on avait fait. Pour l'event, profiter de l'event. Bon, le vampire là, il m'énerve à toujours vouloir venir. Et c'est vrai qu'avant, ils étaient KO à The Spring, et maintenant ils sont dans toutes les villes. Et avant de la faire dormir, on va la faire arroser, bien sûr. On la fera peut-être creuser, après qu'elle ait parlé à Jasmine. Hein.
Pareil, pour les vannes, choisissez bien, hein. Vous avez trois possibilités. Choisissez bien avec Jasmine, hein, si vous souhaitez que vos besoins diminuent moins, ou si les compétences qui vous sont proposées ben, vous conviennent ou pas, c'est dans ce que vous recherchez. Sinon, ben, écoutez, si rien ne vous convient dans les deux autres qu'elle vous propose, prenez les besoins qui diminuent beaucoup moins vite. Voilà. Dans le challenge Big Sister, ça ne correspondait pas, donc j'ai mis que les besoins descendent beaucoup moins vite. Voilà. Allez, va-t'en, le vampire. Oh. Je sens que je vais me commander de l'ail sur l'ordinateur et je vais en mettre, comme ça ils vont plus venir. Alors, à savoir qu'avec les vampires, si vous commandez de l'ail sur l'ordinateur, pour ceux qui débutent Sims, vous cliquez sur l'ordinateur, vous cliquez sur commander, vous allez pouvoir commander des plantes. Voilà, donc ce que je vais faire sûrement, parce qu'il va falloir que j'agrandis mon jardin. Et je vais commander de l'ail. L'ail, ça sert à quoi? Vous allez planter et vous allez acheter après le livre sur les vampires, sur l'ordinateur, le volume 1 simplement. Vous avez besoin que de celui-là. Et on va vous dire que vous pouvez, avec de l'ail, en faisant des tresses, des couronnes, etc., faire en sorte que d'éloigner les vampires. Alors, bien sûr, vous pouvez planter l'ail. En général, il vaut mieux les planter, en mettre un là, un là. Et les autres dans votre jardin, selon combien vous aurez de graines. Et après, vous allez pouvoir, grâce au livre que vous aurez lu sur les vampires, le volume 1, vous allez apprendre à faire des tresses et des couronnes. Donc à ce moment-là, ce que vous faites, vous les mettez ici. Alors certes, c'est pas super esthétique, mais si vous voulez, ça empêche. Le vampire va être très 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 mal à l'aise en présence des couronnes de d'ail, pardon. Le seul que vous n'empêcherez jamais de rentrer si vous dormez pour qu'ils vous sucent le sang, ce sont les maîtres vampires. Voilà, ça vous ne pourrez pas les empêcher, eux, même avec l'ail, ils rentrent. Voilà. Mais bon, déjà, vous ne serez plus embêté par les vampires avec l'ail. À les avoir qui toquent à votre porte tous les 4 matins, ça c'est pénible. On va laisser monter le divertissement. Après, elle va ranger. Nettoyer son truc. Et on attend Jasmine après. Et on travaille toujours. C'est toujours 10 heures, hein. Effectivement. Donner un coup de hanche à quelqu'un. On a le temps ce week-end de donner des coups de hanche à tout le monde. On va peut-être arrêter le divertissement parce qu'elle commence à avoir le sommeil. On va s'endormir sur Jasmine sinon. Donc si on ne commande pas là, on commandera dans un prochain épisode et vous verrez que... Évidemment, n'oubliez pas que c'est l'orgueil, le premier péché. Donc, vous avez débuté avec 22 000 simflouzes. Bon, pour l'instant, on n'a que 1266. Moi, j'attends un petit peu, mais le but est quand même d'avoir une belle maison. Donc, voilà, il faudra changer les meubles, mais toujours en gardant cette fameuse couleur violette. Voilà. Donc, je sais pas, mettre un grand écran ou mettre un beau lit. Voilà, vous aurez de toute façon des récompenses mais qui seront pas automatiquement violettes quoi. Donc Jasmine arrive. On va attendre qu'elle arrive. La voilà. Donc on va cliquer sur elle. Qu'on s'endorme pas. Se renseigner sur la semaine des triples abattages. Gobelinouche. Alors, on va être sur pause. Alors, je suis là pour vous aider à mieux manger, à sentir moins mauvais et à vous exprimer davantage. Demandez-moi un avantage et je vous l'accorderai volontiers.
Pour un bon moment, bien sûr, vous pouvez changer d'avantage à tout moment. Il suffit de m'appeler et de m'en demander un autre. Trois options. Vous pouvez améliorer votre gain de compétences en jardinage et en cuisine pour plus de plaisir. Ça, c'est le premier. Bon, moi, cuisine et jardin, ça ne m'aidera pas. Après, mon gain de compétences en bricolage, peinture et photographie. Alors, bricolage, oui, mais par contre, peinture et photographie, non. Donc, plus de temps à l'extérieur, aucun souci, je peux réduire la dégradation. Donc, je vais prendre la dégradation des besoins là aussi. Ok. Demander plus de choix. Demander un avantage. Ralentir un besoin de la fin de l'hygiène. Nanana. Fin hygiène, c'est tout. Cuisine, jardinage. Allez. De toute façon, on peut en changer. Ok. Donc, je pense que je peux plus rien lui dire. Plus de choix. Non. Ok. Bon, on va les nettoyer. Puis on va arroser notre jardin. Donc on va continuer à troller le forum si on a un petit peu de temps. Voilà. Déjà qu'on puisse valider ça, faire 4 découvertes. Et on lui fera prendre une douche méditative pour essayer d'avoir au niveau du travail la quatrième découverte. Mais tu laisses mon cou tranquille, il t'a rien fait. Hein? Donc on arrose notre jardin. Elle est crevée, hein. Yes. Donc après, elle ira au lit dormir. Alors, pour le Sims, par contre, disgracieux que vous choisirez comme papa de votre futur enfant, ou de vos futurs enfants, mais le premier qui naîtra fera la deuxième génération, sur les 7 générations, vous pouvez très bien le créer dans votre casse. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller choisir dehors. Vous pouvez rajouter à votre foyer... un jeune homme, pour moi, par exemple, complètement disgracieux. Voilà. Bon, après, effectivement, ça crée un peu pour les enfants, mais bon. Voilà. Super. Yaba super. Mais bon, on peut très bien aussi, avec jouer avec la génétique, avoir un mari complètement laid et un copain ou un fiancé complètement laid et... faire l'enfant en jouant quand même les génétiques et en prenant les traits que de la mère et pas du papa. Hein. Donc voilà. Il y a ça aussi. Pour éviter d'avoir des petits monstres, quand même.
j'espère que ça va pas prendre trop de temps à le valider parce qu'elle en peut vraiment plus là. On va être obligé d'arrêter. Hop, parce qu'elle est fatiguée, on travaille. On prend la douche en espérant que ça lui donne. Ouais, je fais prendre une douche normale. Donc on va la faire lire. Lire. Le Seigneur des Marmots. Puis peut-être qu'elle est trop fatiguée pour. Ah, on a fait la découverte. Donc c'est pas la peine qu'elle lise. Faites une découverte scientifique, tac, tac, tac. Eureka a fait sa quatrième découverte. On va aller voir dans le carnet et on va la mettre au lit. Donc dans le carnet, on va donc voir ce que l'on a découvert, c'est le sérum tout rouge. Il faut du basique, on n'en a pas. Donc on commandera ça sur internet. Voilà. Faire dormir, parce que là, elle est KO, elle est KO de chez KO. Donc ça, par exemple, vous pouvez en garder un. Bon, si possible, dans la couleur. Hein? Oula! Oula, 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 déjà! Bon, on va finir avec cette journée, l'épisode, avec cette journée de travail. Je ne m'attendais pas, excusez-moi, à ce que ça aille aussi vite. Je viens juste de la mettre au lit que déjà on est parti pour bosser. Bon, voilà. Je n'ai pas regardé ses besoins, donc j'ai pas eu le temps. C'est allé vraiment vite, là. On va voir. S'il faut qu'elle se douche, qu'elle fasse pipi, qu'elle mange, je ne sais pas. De toute façon, on a tout sur place au boulot. Voilà. Par contre, niveau sommeil, il n'y a que le banc ou alors on va mettre un petit lit, une place. Vous voyez. Non, toujours la même chose, bienvenue. Donc il n'y aura rien de spécial aujourd'hui. Alors, demander un métal à un collègue. Alors, on est parti. Bon, évidemment qu'on va choisir Don Lotario, qui est le coureur de jupons de ces dames. Donc, on va lui demander à lui. On va demander un métal. Alors, plus de choix. Amical. Demander un métal. Analyser un échantillon de plantes. Mais bon, il y a déjà quelqu'un. Et inventer encore une fois. Donc, vous voyez, vous reprenez le rayon Sims. Tant pis, hein, vous ne l'abandonnez pas. Hop. Et lecture. Donc après, on fera. On inventera un suivant quand elle aura fini le rayon Sims. Qu'elle avait commencé. On enchaînera avec l'inventeur du conservateur d'impulsion. Hein. Là, c'est la lampe qu'on a déjà fait, qu'on pourra revendre. Il y en a deux, je crois, déjà, d'ailleurs. Oui, voilà. On peut en vendre une. La sense infuse. Voilà. Voilà. Donc on va la laisser faire son petit machin. Donc le robot reprend ce qu'il a laissé. Peut-être le Hugo Villarreal là, il serait bien. Juste pour te draguer, après je m'en vais. Hein.
quoi. Demander un cristal à un collègue. Bien sûr, tant que vous n'abandonnerez pas la carrière scientifique, vous pouvez utiliser le robot chez vous. D'accord. Donc là, on va le mettre dans l'inventaire. Hop. On va inventer ce qu'on nous demande ici. Ensuite, on demande d'analyser une plante. Donc, hop, pas ça. Analyser la flore. Jacinthe. Allez, arrête de papoter. Raconter avec Laura Blanc. Laura Blanc. C'est un réceptionniste. Non, c'est un homme. C'est Don Lotario. Le charmeur de ces dames. Laura Blanc, c'était elle. On va mettre sur pause. Hop. Julie François. Laura Blanc. Voilà. Alors, raconter des garagos sur les collègues. D'accord. Alors, plus de choix. Amical. Toc, on continue. Discuter du travail, discuter des énigmes, décider de mettre une théorie, faire connaissance, plus de choix. Raconter des ragots et des histoires d'amour au travail. Non, nous on demande bien raconter des ragots sur les collègues. Voilà. Et on repart. Ah, et j'ai oublié de cliquer pour finir beaucoup plus tard. Non, restez pas. Voilà. Ah, je voulais demander à lui là s'il était. Bon, parce qu'on peut pas dire qu'il est beau, quoi. Je sais pas, mais. Ouais, on va lui demander s'il est célibataire, on perd pas de temps. Mais... pas deux minutes près. Que ce soit à moi. Demander si la personne est célibataire. Voilà. Donc notre robot, lui, continue à nous faire notre conservateur d'impulsion qu'on revendra, hein, puisqu'on l'a déjà. Donc après, on est dans le violet, donc on peut peut-être vendre tout le reste. Et par contre, on changera la maison, on mettra celui-là qui est violet plutôt que l'autre jaune, même s'il est rare, on s'en fout. Ok, donc vous voyez, celui-là, on l'a déjà. Donc, on le vend. Donc, alors, par contre, est-ce qu'il est célibataire, hein, le vilain? Alors, ça ne me le dit pas, il m'a pas répondu, il m'ignore. On en est avec elle là. Gabo Mooney Hitch! Ah, super! Turn away! Donc, ça c'était les ragots. Faire la connaissance d'un collègue, on va le faire avec lui. Plus de choix. Amical. Bebe-moi.
plus de choix, faire connaissance. And a zookie, sugar blue. Ah. On peut discuter 30 ans tous ensemble. Mm-hmm. Ah. Mm-hmm. Kaboom. Yes, and I'm super. Voilà, fin de la connaissance. Alors ensuite, on est en train de canaliser. Bien sûr, on ne fait pas la bonne chose. Donc on va arrêter. Bon, c'est pas vraiment la lumière. Donc on doit aller dans le microscope pour analyser un échantillon de plantes. Ah. Ah oui, alors pour ça, il faut aller en espérant que ça ait repoussé. Et non, et non, et non, et non, et non. Préparer, si, un échantillon pour le microscope. Voilà. Il est crasseux, tout ce qui va bien. D'accord. Et ah, wolf it up, secondario, Simona Zero, Chippany, oh. Apanor. Pep Noi Vittori, Happy Young, Mida, Nicholas, Dulane, Finner, huh? Discuter des sons d'intérêt. Mais toi, c'est bon, tu me saoules, toi. Il est célibataire. Quand il est préparé un autre, on sait déjà qu'il est célibataire. Donc, préparer un sérum rouge, je crois qu'on ne peut pas le faire. Il faut peut-être synthétiser un sérum tout rouge, non, parce qu'il nous faut du basique, on n'en a pas. Donc, voilà. Donc on va aller sur analyser un échantillon de plantes. Pourquoi elle veut pas? Parce que l'autre elle va me le piquer. Alors, on va aller sur l'autre. Ici. Après, on ira discuter avec notre copain le robot. Discuter avec le robot. Puisqu'on ne peut pas faire le sérum tout rouge, on n'a pas de basilic. Hein. J'ai pas cliqué? Si, j'ai cliqué. Le vilain pas bon, on peut peut-être le draguer un petit peu. S'il ne sera pas parti, l'amour. Complimenter l'apparence. Plus de choix. Amour. Draguer. Choix, amour, flirter discrètement, on verra ce que ça donne. Je vais peut-être prendre un gros vent dans la tête. Par contre, s'il me met mal à l'aise, je ne devrais plus lui parler, à moins que ce soit lui qui revienne me voir. Voilà. Donc on va discuter avec lui, après on doit analyser un cristal. Je commence à avoir envie de faire pipi, je crois. On va aller faire pipi. Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'elle me fait? Discuter avec Lucas. Ok. Thank you.
utiliser. Tokizo! Yeah, but down the shibi. Misafaba! Even Deso! Uh-huh! Well, I got a tummy. Oops, ça passe pas. Simona Cero! Nisa Faber, Simona Pleave! Wendy Fez! Debishi Fizi Yama Sprada! Ah, Zilna Roy! Wendy Fez Yevogla! Simona Cero! Chippany Hapanor! Zombisi! Moi Bim Yasafena! Nava. Oui. C'est même pas. Ah. On verra ça plus tard. On est de faire pipi en plus. Arvo. Et dépêche-toi, va faire pipi. On va lui donner à dans l'Ontario. Plus de choix. Présentation. Amusante. Ah, Pintessa. Yipsy. On va lui donner à tester un sérum qu'on a dans notre... Dans notre inventaire, on en a deux. Pourquoi elle fait pipi rouge? Pourquoi t'es de problème? Elle est embarrassée. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Rencontre un parent sainte. Donc c'est quand on est mal à l'aise, hein, qu'on ne parle plus aux Sims, pas embarrassé. Voilà, si vous êtes mal à l'aise, par contre, vous ne pouvez plus parler avec le sim qui vous a mis mal à l'aise. On va lui demander de tester un sérum. Plus de choix. Inga. Hop, pause. Raconter ça tous les semaines. Alors, plus de choix, amical. Tester un sérum. Voilà. Hop. Voilà. On s'en fout, on va pas discuter 30 ans. Après, on analysera un cristal. Oh. Bon, on va le tester nous-mêmes. Hein.
Hop. Sur nous. Voilà. Boire. Allez, hop, on va pas s'embêter avec ça. Et la journée se termine et on fera une analyse de cristal. Voilà. Où elle va? Où va-t-elle? On va avoir le temps de d'analyser le cristal, j'espère. Non, 20h50, arrête-toi. Aïe, aïe, aïe. On va les lancer, on ne va pas l'arrêter. Alors, nous avons été promus bidouilleuses juniors. Nous gagnerons désormais 7 simflouzes de plus de l'or, soit 39 simflouzes de l'or au total. On a reçu un bonus de 256 simflouzes, une lampe de bureau sous coupe volante et de nouveaux vêtements. Notre prochaine journée de travail, c'est jeudi. Donc, on va rentrer. On va aller voir notre, ce qu'on a dans notre inventaire et on arrêtera l'épisode là pour aujourd'hui. Donc l'épisode 1 pour la première génération. Il y en a 7 qui vont venir derrière, 7 générations. Et je pense que je passerai après sur mon challenge Amazon Gladiator. Et non pas le challenge Amazon, hein. C'est le challenge que j'ai créé Amazon Gladiator. Voilà, et on continuera un petit peu ce challenge-là. Voilà. Ok, donc on va aller dans l'inventaire. Hop. Mode construction. Voilà. Donc on a une lampe sous coupe. Alors, ce qu'on va faire... Elle est pas, je sais pas si on peut avoir une autre couleur. Regardez, je crois pas. Si on a du violet, yes, hein, donc on peut vendre la lampe ici. Hop, on la vend. Voilà. Après, on a au niveau de nos cristaux un cristal violet. Donc on va prendre celui-là et le remettre là-dedans. Et mettre le cristal violet ici. Comme ça, ou même mieux. Ici. Félicitations pour cette grosse promotion. Tu as envie de s'asseoir. Donc, on va regarder avant ce qu'on a dans l'inventaire. Ça, c'est pour se concentrer. On a ça, mais c'est vert. Donc, on va le jeter. On va le vendre, je veux dire. Un petit peu de ménage dans l'inventaire. On a notre petite lampe là, mais on va la garder avec nous. Voilà. Donc on a rien de plus, rien de moins. Donc elle a sommeil, on va la faire dormir. On va remonter les besoins. Par contre, on va faire attention hein, parce que on va arrêter l'épisode là. Donc, on continuera cet épisode demain, ou peut-être pas, en fonction de ce que vous avez envie. D'accord? Je vais sauvegarder, moi, ici, la partie. Et on se retrouve avec un nouveau live pour l'épisode, je ne sais plus si c'est 9 ou 10, du challenge Amazon Gladiator. Voilà, à tout de suite.